Et Bovard repart de nouveau. C'est de faire pour rien qui est beau. Même si le travail ne paye pas, parce que c'est de faire pour rien qui compte. Quand même je serai tout seul et quand même je n'ai pas été gâté. Quand même je sais bien ce que c'est, aller et on n'est pas toujours payé et c'est dur et c'est ingrat et c'est toujours la même chose. Mais je dis, c'est ça qui est beau. Il a pris son racloir, il donne un coup de racloir. On a déjà raclé une fois, on va racler une deuxième fois, une deux, troisième. Et je dis, c'est justement ça, c'est ce manque de variété. C'est justement parce qu'on a une plus grande peine, parce qu'on risque davantage, parce qu'on a misé sur une chose et une seule, toujours la même. Et ça, c'est l'honneur. On ne se paye pas en argent, nous autres. On ne gagnerait plus un sou qu'on ferait ses vignes quand même. Il racle. On ne peut pas être payé en argent pour un travail de ce genre-là. On est payé seulement d'y croire. On est payé dès qu'on y croit. Nous, on est comme le soldat. Le soldat se bat pour se battre. On est comme une mère. On est comme une mère avec son enfant. Ça ne lui fait rien qu'il soit mal fait. Plus il est mal fait, plus elle se donne de peine pour lui, plus elle l'aime. Elle lui donne tout sans rien lui demander. Parce qu'elle est payée de l'aimer. Il racle. Je dis que c'est comme ça, l'honneur et l'amour. Et point d'argent du tout s'il faut, parce qu'il resterait l'honneur et l'amour. Il racle. Bonsoir. C'est Ramu que nous venons d'entendre, c'est Ramu que nous recevons ici. Comme si malgré ces 100 années de vie, il était encore avec nous. Il ne s'agit pas ce soir d'une célébration, d'une sorte de rituel officiel. Il s'agit probablement, je l'espère, d'une rencontre entre amis et nous parlerons de Ramu parce que nous l'aimons. Il y a déjà quelques mois, nous avons marqué l'anniversaire de Jean-Jacques Rousseau, une autre grande voix, un autre grand écrivain suisse roman, dont l'œuvre a dépassé nos étroites frontières culturelles pour devenir universelle. 6 écrivains, journalistes, professeurs, musiciens, si fervents de Ramu sont réunis ici autour de cette table. Jeannine Buinzeau, Michel Cournot, Georges Aldas, Claude Jacquillard, Georges Borgeau, au piano, vous l'avez entendu, Arié Dziarlatka. J'ai demandé à chacun d'entre vous de choisir dans l'œuvre de Ramu, que vous connaissez bien, un passage, un très bref passage, celui qui vous paraît le plus essentiel. Et vous allez donc le lire, ce passage, les uns après les autres. On va tâcher de faire ça dans une grande décontraction, il ne s'agit pas d'un numéro. Et c'est Georges Aldas qui va commencer. Les brefs passages que je voudrais lire sont extraits de 2 lettres importantes que Ramu a écrites, l'une à Bernard Grasset, son éditeur de Paris, et l'autre à Henri-Louis Mermeau, son éditeur lausannois, qui a publié ses œuvres complètes. Je dis ces lettres importantes parce qu'elles portent sur 2 questions capitales par rapport à l'œuvre de Ramu, à savoir la question de son style, son fameux style si controversé, et sur la nature de ses personnages dans sa création romanesque. On vous écoute. Premier passage. À propos d'une question de style, ou même de simple grammaire, c'est toute l'organisation sociale de notre temps qui désormais serait en cause. Nous avions, en Pays de Vaud, 2 langues. Une qui passait pour la bonne, le bon français, le français classique qu'on apprend à l'école, mais dont nous nous servions mal parce qu'elle n'était pas à nous. L'autre, qui était soi-disant pleine de fautes, mais dont nous servions bien parce qu'elle était à nous. Or, l'émotion que je ressens, je la dois aux choses d'ici. Je me disais, si j'écrivais
ce langage parlé, si j'écrivais notre langage? C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai écrit une langue qui n'était pas écrite, pas encore. J'insiste sur ce point, que je ne l'ai fait que par amour du vrai, par goût profond de l'authentique, tout juste le contraire de ce qu'on me reproche. J'ajoute, par fidélité. J'ai écrit, j'ai essayé d'écrire une langue parlée. La langue parlée par ceux dont je suis né. J'ai essayé de me servir d'une langue geste qui continua à être celle dont on se servait autour de moi, non de la langue signe qui était dans les livres. Second passage. Au nom de sa grammaire, l'école déteste l'informulé. Au nom de sa syntaxe, le balbutiement. Or, qu'est-ce que fait l'homme dans le fond de sa nature d'homme et en présence du mystère de la vie, si ce n'est de balbutier, quand il ose avouer sa nature, mais l'école ne lui permet pas de l'avouer? Et moi, j'aurais voulu faire sentir à ma façon ce balbutiement de l'homme devant l'être. J'aurais voulu exprimer ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, paysans pauvres, gens de la montagne, pêcheurs, journaliers, précisément parce que c'est cet inconnu qu'ils auraient à exprimer, non par des mots tout faits et des formules, mais par une allure, par une exclamation, un geste à l'occasion des choses et au milieu des choses. De pauvres hommes, bien peu sûrs d'eux-mêmes, pleins de peur, et des primitifs, si on veut, mais primitifs, au nom et en vertu de ce qu'il y a de plus général, et je pense de ce qu'il y a de plus humain chez l'homme, de ce qui est partout, de ce qui est de tous les temps, cherchant à faire entrer dans une matière verbale, à ma façon et à mon tour, la substance même de leur vie, en quoi j'ai bien été forcé d'aller contre une certaine grammaire et une certaine syntaxe. J'ai voulu faire parler de pauvres hommes que j'aime et que l'école n'aime pas. Bon, Georges Aldas, c'est un texte qui laisse entendre, qui parle surtout de style, de grammaire et d'école. Je voudrais savoir pourquoi vous l'avez choisi. Eh bien, justement, parce que ce texte ne parle pas seulement de style, de grammaire et d'école, mais qu'il définit la position fondamentale de Ramu en deux mots, je vais essayer d'être clair. Ramu se dit, dans ce pays de Vaud, qui n'a pas la même histoire, pas la même tradition culturelle, pas les mêmes institutions, pas la même sensibilité, pas les mêmes mœurs que la France, ce pays parle le français et il vit dans tout autre monde. Moi, qui suis d'une lignée, je n'aime pas le mot race qu'il emploie, je suis d'une lignée de vignerons et de paysans. Comment voulez-vous que je fasse parler ces paysans et ces vignerons avec la langue de Chateaubriand ou de Molière ou de Stendhal ou de Balzac? On nous apprend le bon français à l'école, mais c'est un langage écrit. Ce que je voudrais, c'est rendre, si vous voulez, ce qui m'a paru quelque chose d'essentiel, à savoir, chez les gens qui n'ont pas de rendez-vous avec la culture, avec l'histoire, c'est-à-dire les paysans, ce passage, à partir du vécu silencieux de la parole qui monte et qui s'exprime. Ramu n'a pas voulu faire parler avec un langage explicatif les gens qu'il connaît bien. Il a voulu entrer par l'intérieur dans leur langage. Alors, en adoptant ce style-geste, il était contre l'école, mais l'école, c'est la société. Quand il est contre l'école, il est contre une forme de société. Et n'oubliez pas que dans la lettre à Bernard Grasset, il dit « drôle de société ». Mais passons au personnage. Pourquoi est-ce qu'il choisit, ou pourquoi est-ce que s'impose à lui ces paysans pauvres, ces gens de la montagne pauvres, ces pêcheurs? C'est pas par un folklore quelconque ou un pittoresque de la montagne. C'est parce qu'il le dit lui-même. « J'ai essayé à travers eux de rejoindre l'élémentaire, ce qui a de commun à tous les hommes, un fond unique, qui nous appartient tous. » Et alors, dernier point tellement important, on peut dire que Ramu n'est pas
comme on le dit sottement en France de temps à autre, un populiste de la montagne, ni comme on le dit sottement en Suisse française, un chantre du pays de Vaud, n'est-ce pas, un homme qu'on récupère, et oh horreur, son portrait est actuellement dans les banques, mais c'est avant tout... Pourquoi horreur? Attendez, un grand poète de la condition humaine qui a dit à la fin de sa vie un mot que je crois qu'on ne peut pas oublier, un mot irréprochable de lucidité et de modestie, mon œuvre n'aura été qu'un balbutiement d'être. Oui, alors une question que je vous pose à tous d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de faire des monologues ici, encore qu'il faut bien expliquer ce qu'on a expliqué, mais est-ce qu'aujourd'hui, Ramu correspond encore à ce monde de pêcheurs, de paysans? Est-ce que la Suisse n'a pas tellement changé que le monde étant devenu ce qu'il est, Ramu a peut-être sa place dans les banques? Une question. Mais, écoutez-vous, le problème n'est pas des banques, ça je disais en passant, non, juste simplement, quand je viens de dire, et quand le texte le dit lui-même, parce que écoutons Ramu quand nous parlons, ne parlons pas à sa place, n'est-ce pas? Nous sommes là pour l'éclairer. Eh bien, quand il dit « je cherche à travers une condition des gens qui n'ont pas de rendez-vous avec l'histoire et la culture, je cherche un grand fond humain », il fait ce que fait Giovanni Verga à la même époque en Sicile avec les pêcheurs, il fait ce que Pérez Galdós faisait en Espagne avec les gens du Lumpen prolétariat de Madrid, il rejoint les grandes questions humaines à travers la pauvreté de ces montagnards. C'est la condition humaine qui l'interroge. Nous continuons de l'interroger avec des gens qui ne sont peut-être pas des montagnards et des paysans, mais qui sont des gens les plus perdus des situations que nous connaissons. Et c'est cette interrogation qui m'importe. D'accord, Georges Bourgeot. Oui, enfin, je suis assez d'accord avec cela, bien sûr, mais je reviens à la langue, n'est-ce pas? Je pense qu'il a créé quelque chose d'artificiel qui a le goût de la vérité. Enfin, je pense qu'il a créé, je veux dire qu'il a créé une langue qu'on ne parle pas, mais qui est plus vraie que réelle, si vous voulez, d'une certaine manière. Mais c'est il l'a oui, dit, du oui, reste. Oui, oui, mais je veux dire... Attendez, qu'est-ce que vous avez dit artificiel? Non, je veux dire... C'est inventé. Il l'a inventé, dans le sens de l'invention, c'est-à-dire... Il l'a stylisé. Et le goût des... Il y a des schémas dans sa langue, il y a le goût de la répétition, il y a le goût des retours, etc. Elle est quand même fabriquée, sa langue. Mais bien sûr, mais je suis enchanté qu'elle le soit, c'est pas du tout... Mais je veux simplement dire, je ne pense pas qu'elle ait une équivalence dans la vie. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas le là. Problème oui, est là. Alors, d'accord. Nous reviendrons à cette question qui est essentielle, le style de Ramu. Le seul Français qui est autour de cette table, Michel Cournot, vous avez entendu que tout de suite, on a fait une espèce de coupure entre la France, le langage de Chateaubriand, le langage de Ramu. Vous avez choisi un texte, vous allez le lire et peut-être allons-nous avancer un peu dans ce débat. Oui, je voudrais, cependant, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose sur le texte qui a été lu tout à l'heure? Car la langue française est mise en cause dans la lettre à Bernard Grasset. Pour moi, c'est un texte qui est un petit peu triste, car je crois que Ramu a écrit ça parce qu'il avait été attaqué, surtout. Parce que son écriture avait été attaquée. Parce que on a écrit au début de son œuvre qu'il n'écrivait pas un français normal. Et je crois que c'est un assez faux problème et qui ne se serait pas posé de lui-même. Car c'est la même chose en France ou dans les régions françaises. Mais oui. Il n'y a pas un bon français. Il n'en existe aucun. J'ai lu encore tout récemment Madame Bovary. C'est la Normandie. C'est aussi différent de Paris que peut être Genève. Et c'est un livre qui est très très populaire en France et qui est écrit dans un français tout à fait anormal. Tout le temps. Je crois qu'il s'est posé un faux problème et qu'il y a été amené par des vilains articles, des vilains sentiments. Est-ce qu'on peut écouter votre texte? Parce qu'enfin, il faut que chaque texte soit... Après, vous reviendrez dans la discussion, Jacquia. C'est une lettre à un copain de Ramu qui s'appelle Adrien Bevy. N'avez-vous pas, vous l'avez, l'horreur de l'homme de lettres, de l'esprit homme de lettres, des banquets littéraires. Il n'y a que la solitude qui vaille et un jardin avec des laitues qu'on va cueillir le matin avec un vieux couteau de cuisine rouillé. Et le tronc est plein de lait blanc qui tache les doigts en noir. Si Dieu nous avait donné 3000 francs de rente, c'est une lettre de 1904.
Si Dieu nous avait donné 3000 francs de rente, nous serions la providence des pauvres dans nos villages. Nous irions le soir fumer un cigare avec le pasteur sous la tonnelle de la cure, parce que le pasteur a une fille qui est jolie et pleine de bonne volonté. L'été, elle porte à cause de la chaleur des robes un peu ouvertes qui laissent voir son cou, plissé, comme le cou de Vénus. Et on est un peu ardent en rentrant, de sorte qu'on porte en soi toute la vie, qui est de pitié et d'amour, en attendant la mort qui vient à son heure. Vous savez combien les nuits d'été sont tristes sous leur bouquet d'étoiles. On s'assied à sa fenêtre en chemise de nuit. On est près des bois. Il n'y a que le cri des grillons comme une machine de dentiste qui vous tourne dans la dent. Voilà une image juste, mais que je n'ose me permettre que dans la plus étroite intimité. On a soif, on va boire à la fontaine. On fait pour son déjeuner une omelette avec des yeux frais. Il est un peu brigand dans son en disant avec des yeux frais. Je crois que c'est simplement parce que il n'a pas dormi, mais c'est tout de même le matin, et donc il voit ce qu'il fait avec un regard reposé. Mon cher Bovier, je me suis demandé 100 fois pourquoi vous ne m'écriviez plus. Je ne sais où la vie m'emportera. La vie est comme une bicyclette sans frein aux descentes. Je fais de la bicyclette. Je serai meurtri, sans doute, à un tournant. C'est pourquoi, devant cet inconnu, vos sympathies, que je mérite si peu, me sont chères. Tous mes voeux, et écrivez-moi. C.F. Ramu. Voici encore une lettre. Pourquoi une lettre et non pas un passage dans l'œuvre ? D'abord, je vous demande de m'excuser, je n'avais pas compris qu'il fallait prendre un texte essentiel, comme vous l'avez dit à l'heure. Essentiel, c'est un mot. Pourquoi ce texte? Si vous voulez, Ram, il y a une affection dans ce texte, quelque chose de proche, parce qu'il écrit à un ami. Il pose la question de la solitude d'une manière qui me semble assez sensible, car en vérité, vous l'avez vu, il lui dit « J'ai manqué 100 fois, vous demandez pourquoi vous me laissiez seul, au fond. » Il y a des gaietés, des petites farces. Il y a des images. Il y a aussi cette chose, cette manière qu'a Ramu très bizarre de s'exprimer à propos des femmes. On y reviendra. Quelque chose d'un peu difficile. C'est le moins qu'on puisse dire. Jacques Hier, vous aviez une question à poser tout à l'heure. Non, c'est sur la question du langage. Je trouve ce qui est intéressant dans ces deux lettres que vous avez choisies, c'est que Ramu pose la question de la structure dominante qui implique tout langage. C'est-à-dire que la grammaire, ça peut être le langage du prince, ça peut être le langage du dominant, et que si l'on veut dire quelque chose de la chair, si on veut dire quelque chose de la parole qui circule à l'intérieur du peuple, si l'on veut exprimer l'inexprimable, il faut porter atteinte à l'ordre, c'est-à-dire à l'ordre du langage, pour exprimer ce que le dominant... Comment il le pose mal. Mais pourquoi il le pose c'est mal C'est un texte qui m'a toujours beaucoup gênée. Parce qu'il amalgame deux problèmes complètement différents. C'est-à-dire l'opposition entre le langage de France et celui de Suisse romande et l'opposition qui est propre à la langue française. Il y a beaucoup de grandes langues de culture, là, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous écoutez de parler des gens de la vie de tous les jours? Est-ce que vous avez vu comment on monte? Est-ce que vous avez vu que Ramu a essayé? Il n'a pas, je crois que le problème, il n'a pas attaqué la langue française. Qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? Il dit le français, c'est une apothéose. Je voulais simplement vous dire que ce qui me semble, c'est que le français, comme l'arabe, comme le grec, n'est-ce pas, où il y a une katereusa ou une demotiki, est une langue double. Tout le monde le remarque. Il vient de paraître un livre d'un monsieur Duneton, je crois, qui roule sur l'enseignement du français, sur le fait précisément que les enfants à l'école sont complètement paumés, hein, parce qu'ils ont affaire à une langue qui, au fond, n'est pas la leur. Donc, pour vous, Janine Bazou, il n'y aurait pas de problème de la langue de Ramu. Mais il y a un amalgame, là, deux problèmes très distincts qui me gênent un peu.
Il y a aussi l'affirmation que c'est une langue parlée, alors que c'est une construction extrêmement artificielle, très belle du reste, n'est-ce pas? La question n'est pas là. Oui, eh bien, Michel Cournot, si vous étiez un peu sur la sellette, c'est vous qui avez, vous avez ce texte devant vous, et je voudrais que vous alliez peut-être un peu plus loin. Qu'est-ce que vous pensez de ce besoin, ce goût de Ramu de faire des images? Est-ce que vous pensez que c'est encore de notre temps? La rouelle du dentiste et la bicyclette considérée comme un symbole de la vie. Vous comprenez que ce n'est pas déjà un texte un peu démodé, une façon un peu démodée de s'exprimer? Le problème Ramu est-il encore de notre temps? J'en reviens à cette question. Attention, je pense que ces images-là ne figureraient pas dans un texte plus public. Il l'a dit. Oui. Il l'a dit. Oui, les images de Ramu ne sont pas aussi jeunes d'habitude. J'ai pas fait tellement attention. Mais ça indique bien. Ça indique bien que Ramu a un langage pour l'expression privée, n'est-ce pas, et un langage pour ses romans. L'un et l'autre se ressemblent, mais je trouve que ces métaphores sont superbes. Oui. La bicyclette, qui n'a pas de frein, et c'est le tournant qui va régler le tout. Je trouve ça admirable. Je vois pas qu'une métaphore comme ça puisse vieillir. D'ailleurs, de toute façon, toute écriture a besoin de métaphores. On ne peut pas exprimer. Évidemment, on peut exprimer abstraitement tous ces problèmes de la mort, mais dès qu'il y a une métaphore comme ça, vous voyez la densité que ça prend. Moi, je vois cette bicyclette. Je vois cette bicyclette qu'on ne retient pas, et puis tournant, et puis patatras, n'est-ce pas? Je trouve ça merveilleux, c'est l'obsession de la mort chez Ramu. Je voulais dire une chose à propos du langage, parce qu'il n'y a pas une question de langage. Le langage, c'est constamment le passage du vécu au dit. Et ce que je trouve très très beau dans les œuvres réussies de Ramu, je dis bien dans les œuvres réussies, il y a des choses qui sont aussi des procédés, c'est qu'on part toujours avec un immense poids de silence, qui est le silence des choses non dites. On fait toujours... Les paroles n'arrivent pas comme ça. Elles font un voyage. C'est toujours de la racine à la fleur. Je me rappelle quand on faisait l'adaptation de Jean-Luc Persécuté avec Claude Goretta, ce qui était intéressant de voir, c'est que quand un personnage de Ramu va dire deux mots dans un roman, il dit deux ou trois mots parce que c'est le laconisme des gens de la terre qui ne font pas de discours. Mais Ramu prépare toujours un dialogue avec une espèce de description, par exemple, de la nature, qui relie le personnage à tout son ensemble, et on sent que tout ce qu'il dit dans une description de lac, de montagne, etc., c'est tout ce qui se passe au-dedans d'un être, et tout d'un coup, la parole émerge. C'est ça, le langage-geste, je trouvais qu'il épousait la vie. Maintenant, de savoir si c'est moderne, pas moderne, etc., ça me paraît tout à fait accessoire. Sa vie. Bien. On a décidé une chose, Georges, c'est que Arié, de temps en temps, ferait une ponctuation musicale. Arié aime Ramu, il s'exprime avec son piano, et au fond, ce qu'il va nous dire maintenant, c'est son amour de Ramu à travers la musique. Mais il aimerait aussi dire un petit mot, c'est que vous engagez le débat sur le langage de Ramu, vous posez la question si Ramu est encore actuel, et je ne connais pas d'écrivain plus actuel que Ramu, et disons qu'avec mes mots de musicien, j'ai encore relu récemment Question, et Ramu soulève un problème très très important et qui peut d'ailleurs être complètement actualisé, c'est que Ramu parle de l'homme, de la situation de l'homme en Suisse, de la situation de l'artiste en Suisse, et qu'on s'aperçoit que rien n'a bougé. Et je veux dire que Ramu est soit confiné par les Français, c'est vrai je crois comme un provincial, et par les Suisses comme quelqu'un bien de chez nous. Et que d'après moi, c'est ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est un grand esprit universel et qui, ayant vécu dans le canton de Vaud, n'a rien fait de plus juste que de... Vous provoquez un certain nombre de mouvements autour de la table, mais je voudrais que vous le jouiez maintenant. Ah bon? Votre improvisation, vous êtes aussi là pour ça.
Georges Borgeot. Oui, moi j'ai choisi un texte qui parle de la solitude, car je crois que c'est un thème qui est au cours de toute l'œuvre. Et c'était un, c'était pas un isolé, c'était un profond solitaire. Il n'était nullement isolé. Alors, il parle de trois solitudes. La seule qui l'intéresse, c'est ce qu'il dit, la solitude métaphysique. C'est un nom bien solennel, mais enfin, sous sa plume très rare. Et alors, il parle de la solitude de fait, la première, qu'elle simplement, on est en voyage et puis on est dans une ville inconnue. Ensuite, la seconde solitude, qui est une solitude occasionnée par son caractère, si on a les sauvages, le caractère sauvage. Et la troisième, celle de l'incommunicabilité et de l'effort. Alors, je parle de cette solitude, il parle de cette troisième solitude. « Oh, dit cet homme, je suis seul. J'ai des amis et je suis seul. Je connais l'amour et je suis seul. Je vais parmi les choses qui brillent autour de moi et elles m'enchantent l'esprit et le cœur par leur couleur et par leur forme. Alors comment faut-il que je m'exprime? Mais je suis seul, car plus je les aime, plus elles sont séparées de moi. Plus je les aime, plus je sens douloureusement qu'elles ne sont pas moi. Il y a moi et il y a elles, et en même temps, parce que je les aime toujours davantage, je voudrais toujours davantage qu'elles fussent moi et elles. Et moi, elles. Oh, dit cet homme, la vraie solitude est dans l'amour. Or, l'amour ne se satisfait que dans l'unité. L'unité est son seul séjour, son unique lieu de repos. Et voilà que l'amour est un oiseau sans nid, est toujours fatigué et conduit à voler toujours avec fatigue, parce que cette unité ne la trouve nulle part. Solitude, ton vrai nom est séparation. Solitude, ton vrai nom est amour repoussé. Voyez comme je vais partout battant des ailes, dit cet homme, et ne cesse pas de battre des ailes, comme si les ailes qu'on a ne devaient servir qu'à battre et à briller en battant, non pas à vous porter au lieu qu'on s'est choisi. Mais dit cet homme, où est ce lieu? Car je ne l'ai trouvé encore nulle part, et c'est pourquoi je vais de lieu en lieu ainsi, d'être en être, de chose en chose, les admirant et les aimant, mais ils ne veulent pas de moi. La vraie solitude est quand le monde ne veut pas de vous, alors qu'on voudrait tant de lui, mais il est là et moi je suis ici, et dès que j'y touche, il me repousse. Je suis comme la balle de résine devant l'aimant qui est atterré puis renvoyé, d'autant plus violemment renvoyé qu'elle est atterrée plus violemment. Il n'y a point de conciliation ni d'arbitrage. Il n'y a pour moi au-dessus des objets du monde d'instants supérieurs qui décideraient d'eux et qui les contiendraient. Très important, ça, je trouve. Cet homme a des amis, il connaît l'amour, il se plaît aux choses, il a un grand goût de la vie et s'y délecte constamment. Il est plein de faim et de gourmandise devant tout et se jette sur tout avec avidité. Or, c'est comme si cet amour, cette amitié, ce goût et toutes ces fins n'étaient pas. Plus ils sont violents, moins ils sont. Car ce qu'on éprouve le mieux dans cette violence même, c'est leur inconsistance et leur vide. Cet homme est sans cesse nourri, mais plus il mange, plus c'est comme s'il n'avait pas mangé. Oui, il y a une chose, c'est qu'on a déjà parlé plusieurs fois de solitude. Et quand Ramu est avec nous, il nous parle avant tout de solitude. Est-ce que c'était un homme solitaire de nature ou est-ce qu'il était seul dans ce pays? Ah, il n'était pas seul dans ce pays. Non, on ne peut pas être seul dans un pays du moment qu'on l'exprime. N'est-ce pas? Ça n'est pas du tout un introspectif. C'est un homme généreux qui a regardé ce pays, qui l'a aimé. Je voudrais dire en passant que ce n'est pas le canton de Vaud, ce n'est pas suffisant le canton de Vaud. C'est le Valais, c'est le monde alpin, je trouve. Je trouve que quand on va même en Savoie, il y a encore l'accent Ramu, je veux dire l'accent... Non, c'était un homme, c'est un homme porté à aimer, porté à communier et qui naturellement, pour des raisons personnelles et puis aussi parce que je crois que c'est le destin de tous, l'incommunicabilité, c'est bien un fait. Mais vous l'avez connu, Georges Borgeot, vous l'avez connu. Une partie d'arrêt. Vous l'avez connu et je voudrais que... Moi, je l'ai connu. Vous décriviez un peu qui était Ramussy. Mais je suis allé quelques fois chez lui, je suis descendu naturellement avec un sentiment d'admiration énorme comme un jeune homme qui balbutie et moi, j'étais vraiment dans le balbutiement total. Mais il aimait assez cela. Alors, il avait cette espèce de... beaucoup de gens lui ont reproché qu'il mettait mal à l'aise les jeunes gens parce qu'il leur posait des questions. Mais c'est un questionneur. Vous savez, Ramu n'aime pas répondre. La réponse pour lui, c'est un amoindrissement. Oui, c'est tout à fait vrai. En général, ce sont les questions qui rassemblent les hommes, les réponses bien sûr, et les divisent. Et puis alors, les réponses sont courtes, les questions sont longues. Et alors, moi, ce que j'aimais chez lui, par exemple, puisque je voulais écrire et que j'ai mis tant de temps à le faire parce que j'étais noué, etc., il me disait toujours cette chose que j'ai trouvée excellente et qu'on trouve chez Francis Ponge, ça va vous étonner, je parle de Ponge, il disait,
N'écrivez pas, ne cherchez pas à écrire vos sentiments, vos sensations, vos émotions. Mettez devant vous un paquet de tabac et écrivez-les comme les peintres le peignent. C'était merveilleux. C'est l'attention à l'objet, l'attention à ce... Et là-dessus, sur cette attention, nous pouvons mettre tout ce que l'on veut. Mais il faut d'abord être attentif. Mais c'est là que passent les sensations, les sentiments personnels, par le détour de l'objet. Absolument. Ce n'est pas deux choses opposées. En cela, il était très peintre. Mais il est là, sur la preuve, son amour pour Cézanne. Il a rêvé quand il était peintre. Oui. Oui, mais bien sûr, mais il a raison. Il faut créer l'objet, il faut aimer la chose extérieure à soi pour que nous-mêmes, nous puissions nous projeter sur cette chose. Il ne faut pas du tout venir... Une espèce de réalisme poétique, comme celui des frères Lenain, ou comme celui de Chardin. Oui, en tout cas, mais en fait, je veux dire, il faut pas sortir de là. Est-ce que je peux vous demander, à vous tous, comment vous aimez encore Ramu? Je veux dire, vous parlez un petit peu de sa façon d'être au monde, mais est-ce que vous le sentez maintenant encore comme une sorte de... vous l'entendez comme une voix? Ah oui, écoutez, une fois, vous savez, quand on a aimé quelqu'un dans sa jeunesse et qu'il nous a appris à voir, c'est le cas de dire, on ne peut pas cesser d'être reconnaissant. Alors, on peut évidemment dire qu'il y a une partie d'une œuvre qui nous passe un peu enfin, que nous aimons moins, mais c'est une dette de reconnaissance, Ramu, pour moi. Tout à fait. Il vit avec nous. Chacun a pris les distances pour faire ce qu'il fait, mais c'est la reconnaissance permanente, sans que ça gêne quoi que ce soit. Mais est-ce que je pourrais ajouter un tout petit mot sans faire monologue, Moulin? C'est simplement, à propos de la solitude, ce que je trouve de très fort dans la position de Ramu, c'est que d'abord, cette solitude est celle de chacun. C'est la solitude de chacun face à la mort, face au vieillissement, face à l'amour. Ça, il a dit. Autrement dit, le poète de tous. Deuxième chose qui me paraît capitale et qui fait que pour moi, il n'y a pas problème, il n'y a pas question d'actualité, pas de non-actualité, c'est que en lui, il y a deux forces, je dirais, fondamentales de l'état de poésie. D'une part, une révolte sur laquelle on n'insiste pas assez, celle qui lui faisait dire drôle de société, mais celle qui lui a fait écrire Aline. Voyez-vous, il y a une œuvre formidable de révolte de la pauvre Aline qui a été trahie dans l'amour par un garçon qui lui a préféré une fille riche, se tue son enfant et se tue. C'est l'état de meurtre par révolte, par trahison de la communion. Il y avait un immense amour de la communion chez Ramu qui passe par le personnage d'Aline. Aline est à Ramu ce que peut-être Mouchette est à Bernanos. Et puis d'autre part, cette révolte meurtrière à cause de l'amour trahi, et puis une œuvre qui me paraît à l'opposé et complémentaire de tout état de poésie, c'est le besoin de réconciliation. Samuel Bellet passe toute sa vie à conquérir l'amour, apprendre, dit-il, à aimer. Alors, un besoin profond de communion avec la nature, avec les hommes, avec soi-même, une relation fondamentale, voilà ce que cherche Ramu. Et puis la société nous pose des problèmes d'horreur, de meurtre, de trahison, alors révolte contre le mal. Révolte contre le mal, au nom de l'amour total, c'est une position de poète, une position fondamentale d'écrivain et d'homme. Jacques-Yves. Vous parlez de l'amour total du poète, mais si on prend ce qu'il dit dans le journal, il a par exemple des phrases très apologétique pour la guerre. Donc je crois qu'il faut voir que cet amour total, il passe par, par des approches très multiples. Mais tout à fait, seulement attention, il est dans une position, alors là on ne peut pas commencer une conversation multiple, si on parlait de l'histoire de la politique et de la guerre, Ramu est dans une situation historique très ambiguë. Il a aimé Maurras dans sa jeunesse, pas oublié. Mais ça nous entraînerait trop loin, vous avez raison d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le percevez comme moi, mais je suis frappée dans ce beau texte qui est plein d'une nostalgie platonicienne de l'unité, n'est-ce pas, l'unité brisée, à quel point on sent tout de même que Ramu est un homme qui a, un homme du 19e siècle tout de même, un homme qui a beaucoup lu les romantiques, et je trouve qu'il y a, probablement à cause de la forte empreinte biblique, le pain de vie, cet homme est sans cesse nourri, mais plus il mange, plus c'est comme s'il n'avait pas mangé, quelque chose qui me fait penser prodigieusement, par exemple, au Sainte-Beuve de Volupté. Oui, mais on va pas faire des comparaisons. Oui, mais alors ce que je veux dire, mais vous avez raison. Vous savez, Ramu est plein de Bible, plein de la lecture de la Bible, et c'est bien son très pays là dedans. C'est bien. Et il n'y a pas de dogme dans Ramu, mais il y a une religion, il y a une religiosité en tout cas très profonde. D'ailleurs, en tout cas, un sens du sacré. Un sens du sacré extraordinaire. Il dit tout. Peut-être que tout est dans le sens du sacré des choses, de la nature des êtres. Jeannine Boiseau, votre texte, s'il vous plaît. Mon texte, qui s'appelle « Présence de la mort » et qui n'est pas tiré de « Présence de la mort », mais tiré d'adieu à beaucoup de personnages et autres morceaux. Le poète s'adresse à la mort. Quand est-ce que ce sera et où? Qu'aurais-je su faire de ma vie? Jusqu'où m'aura-t-elle mené? Quels mots aurais-je dit encore, oubliant les choses essentielles?
Mais ce jour, nécessairement, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, se lèvera pour moi au ciel, qui sera le dernier des jours, et pourtant un jour comme les autres, avec un ciel gris et brumeux, ou bien un ciel tout clair et rose, et cependant la vie autour de moi continuera. J'entendrai la voix des voisins, j'entendrai rire une petite fille, les gens sous ma fenêtre iront en promenade, et puis il y aura un instant de silence pendant lequel on entendra passer sur le toit le coup d'aile d'un grand vent. Cependant, on aura disposé près de mon lit une table avec une veilleuse dessus, de ces petites veilleuses blanches sur lesquelles on tient au chaud les pots de tisane. Et il y aura peut-être une garde, une personne à tablier blanc qui sera là et viendra vers moi par moment en disant « Est-ce que vous voulez boire ?» ou bien « C'est le moment de prendre votre potion. » Il y aura de très longues nuits avec vers le matin un mieux, puis une très grande lassitude, une très grande faiblesse. De temps en temps, un coup de sonnette se fait entendre. C'est quelqu'un qui vient prendre de vos nouvelles, on marche sur la pointe des pieds, la porte s'entrouvre, est-ce qu'on peut entrer? Et on a mal soudain, parce que ceux qui arrivent ainsi, ils sont encore dans la vie, tandis que soit on sent qu'on s'en retire toujours plus. Pourtant, on ne dit toujours rien, on n'avoue toujours pas, on s'efforce toujours de ne pas se plaindre. Et ainsi le temps passe encore, un jour on supprimera la sonnette. C'est alors que tu entreras, mais je te dirai « entre et assieds-toi ». Et ce que je verrai alors, ce ne sera pas ton visage. Victorieux de toi jusqu'au bout, libéré de toi par ta présence même, tu sembleras disparaître. Et ce que je verrai monter devant moi, le rassemblant une dernière fois au seuil de la nuit de toujours, ce seront les visages chers. Ce seront les choses aimées, la montagne, le champ, le lac. Et au-dessus d'un jardin plein d'abeilles, l'image d'un poirier en fleurs. La présence de la mort, c'est un titre admirable. Mais la présence de la mort ne cesse dans l'œuvre de Ramu. Oui, et ce n'est pas pour la présence de la mort que j'ai choisi, c'est pour la présence de la vie. Oui. Parce que c'est ce qui me touche chez Ramu. J'ose à peine l'avouer à cette assemblée de Ramusiens fervents. J'ai relu Ramu ces dernières semaines. Je l'avais beaucoup aimé. J'en avais été nourrie dans mon enfance. C'était de ces amours qu'on ne remet presque plus en cause. Et je me suis aperçue avec un peu de regret qu'il s'éloignait tout de même, que beaucoup de choses me touchaient moins, qu'elles continuent de m'apparaître admirables. Je pense aux grands romans mythiques, allégoriques, la maturité, à la guérison des maladies, à la... Oui, à le... Enfin, peu importe. Peu importe, enfin bref, la séparation des races aussi, enfin, ces choses-là... Où précisément le sentiment que l'artiste a voulu faire, a fait exactement ce qu'il a voulu, ou l'aspect prodigieusement volontaire et concerté, gèle un peu l'admiration. C'est splendide, on change, on bouge, les œuvres bougent aussi. Peut-être aujourd'hui suis-je plus sensible à une forme d'art plus souple, plus ouverte. Oui, je voudrais demander à Michel Cournot, dans quelle mesure aujourd'hui Ramu peut être perçu par... les lecteurs français. Vous avez écrit un article merveilleux dans un hebdomadaire français et vous avez donné l'impression que Ramu était véritablement une sorte de camarade. Vous l'avez présenté comme un ami. Est-ce qu'aujourd'hui encore Ramu est lu en France? Question. Sûrement. D'ailleurs, après cet article, beaucoup de lettres sont venues parce que j'avais écrit que peut-être il n'était pas tellement lu. Beaucoup de lettres sont venues dire qu'il avait des lecteurs dans tous les coins. Est-ce qu'on vous a dit ce qu'on lisait de Ramu? Non, mais je ne suis pas du tout, madame, d'accord avec ce que vous venez de dire. Ah, je ne le présente pas comme une vérité, oui, je le présente comme une réaction. Je le sens, moi, comme un des seuls écrivains qui est vraiment très, très proche. Qui écoute le lecteur, mais vous qui savez... dit des choses d'une justesse infinie sur tout ce qui est grave dans la vie, comme un homme qui a toujours, en écrivant, écouté et été sensible à l'essentiel. Et sa solitude, moi j'y vois surtout, dans la solitude de Ramu, une merveilleuse manière de pouvoir... ouvrir sa porte et laisser entrer quelqu'un et prendre le temps qu'il faut. Car on le voit dans son journal, des hommes arrivent, ils sortent de prison, ils ont du mal à s'exprimer.
Et pourquoi il peut attendre trois quarts d'heure, une heure? Parce qu'il est seul. Et il est seul dans tous ses livres. Il me semble que c'est un des seuls écrivains qui ne prend pas la place de l'écrivain dans ses livres. Il a une manière d'écrire qui est une manière de tendre la main, d'écouter, de ne pas dire les choses, justement, de les balbutier. Ça, c'est merveilleux, mais il ne les balbutie pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est vrai, il peut, par exemple, le texte que vous avez lu, madame, je le trouve, je ne sais pas, il me fait un effet horriblement triste, parce que pourquoi est-il allé ce jour-là? Si, je sais que, bon, il voulait parler des... C'est adieu à ses personnages. Mais cette façon, il fallait qu'il ait un coup de déprime horrible pour aller s'imaginer en train de mourir. Quand même, il imagine la bougie, il imagine... C'est rare qu'il ait quelque chose d'aussi cafard. Je ne crois pas. Il parle beaucoup de la mort. Mais pas comme ça. Il n'imagine pas les circonstances. Je trouve pas du tout cette description triste, du tout. D'ailleurs, de toute façon, on m'a dit, parce que moi j'ai eu ce texte sous les yeux, quelqu'un qui a très bien connu Rameau et qui est allé le voir. Tout ça s'est passé comme il l'a prévu, mais ce que je veux dire, moi ce que je voulais dire surtout, c'est que Rameau a fait des personnages, il a créé des personnages, c'est un vrai romancier, il est peu dans ses personnages, où il y est si vous voulez, mais je veux dire, c'est incroyable d'aller chercher Farine et d'aller chercher les mauvaises têtes, tout ce qu'on appellerait aujourd'hui les marginaux, et de les aimer a priori. Tous les marginaux. Les ceux qui n'ont pas de rendez-vous de la société. Il les laisse faire. Oui, et en même temps, cet homme, vous savez qu'il a été très marqué, je crois qu'on l'oublie un peu à propos de son langage, il a été très, très marqué par la formation scolaire qu'il a détestée, mais tellement fondamentalement, qu'il s'est dit, on a tout voulu déformer, on a voulu casser ma sensibilité, il a fait une réaction et il a créé totalement son langage à partir de là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'école, c'est-à-dire l'école, il disait fabrique des petits bourgeois, fabrique des gens standards, qu'il allait chercher, il avait besoin, comme c'était un homme de grande culture, il avait besoin, comme il dit, de l'authentique, du vrai. Or, chez beaucoup de gens qui vivent de la vie quotidienne sans la culture, sans le rendez-vous, qu'ils sentaient des réactions véritables, il était en liaison avec eux. Il a dit, je peux pas expliquer mes personnages, c'est mes personnages qui m'expliquent et qui m'habitent. C'est eux, oui, c'est la réalité qui nous inspire. Et quand il se plaint de l'école, il pense surtout aux petites classes. Oui. Et ça continue. Il a parfaitement raison, car l'université aussi fabrique des robots, intellectuels. Il a raison. Je pense. Si je peux tout de même expliquer un tout petit peu. Je vous en prie, alors passons un peu plus loin si vous voulez. Nous reprendrons, mais Arié va ponctuer cette conversation une fois de plus. À vous. Je vais présenter un texte extrait de Raison d'être qui me semble important dans la mesure où il signifie que Rameau est aussi quelqu'un qui s'est essayé avec la vérité et qui a à un moment donné rompu avec la monstration romanesque pour rentrer dans le langage philosophique. Et je pense que c'est un texte qui nous montre un Rameau avant tout nihiliste. Et en ce sens-là, il appartient bien à la génération du début de ce siècle. Il l'écrit à Paris. Juste avant la Première Guerre mondiale, il assiste à la diffraction des formes, c'est le passage à l'abstraction, il est au courant de ce qui se fait aussi dans les idéologies ouvrières, il se rend compte, et il y a un peu plus loin, à Vienne, Freud, quelqu'un qui parle de l'inconscient, bref, il est dans ce moment où tout est en train de s'effondrer, et il va rechercher un sens, il va rechercher une chose qui est la Terre, malheureusement, à mon avis, la Terre ne parle pas, c'est ce qui fait le grand tragique de la position de Rameau. Alors voilà.
En attendant, où se tourner? Croire en autrui, on ne peut pas. Croire en son seul soi-même, on le peut moins encore. Ils m'ont laissé mon libre arbitre, ils ont soigneusement détruit en nous toute notion d'autorité. Mais cette belle indépendance, dont ils m'ont tant vanté le prix, voilà que je n'en puis rien faire. Car je vois qu'on ne choisit pas, qu'il n'y a de choix qu'obligé. Ma raison critique ne me déterminera jamais à elle seule, et ils ne m'ont laissé que ma raison critique. Je me retournais dans mon lit, je cherchais des yeux sous la lune, ma vieille pointe de Saint-Sulpice. Elle aussi, il me l'avait prise. Tire-toi d'affaire comme tu peux. Hélas, il n'avait pas voulu voir qu'il n'y a de vraie liberté qu'au-dedans d'une discipline, et voilà qu'il fallait maintenant se la faire, car il n'en avait eu aucune. Je ne dis pas à nous imposer, mais seulement à nous proposer. Servir? Servir qui? Servir quoi? Et je sais bien la réponse qu'il m'aurait faite. Servez-vous vous-même. Il me l'avait faite déjà. Mais j'avoue n'avoir jamais compris ce qu'elle voulait dire, ni même le sens qu'elle pouvait avoir pour eux. C'est quand on s'y attendait le moins que la délivrance est venue. Il a fallu que tout un long et lent travail intérieur se fît d'abord, à notre insu. Il a fallu d'abord qu'on descendît en soi jusqu'à l'élémentaire, au commencement ou au recommencement de tout. Il a fallu qu'on laissât tomber de soi tout ce qui était règle, tout ce qui était enseignement, tout ce qui était tradition, tout ce qui était théorie. Il n'y a plus eu que l'être de chair, un être qui ne savait plus rien, qui ne comprenait plus rien à rien, mais ses sens lui restaient, avec des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et finalement, il s'est trouvé riche de son appauvrissement même, parce que, tout au fond de lui, il y avait toujours la terre, et que, de descente en descente, il avait fini par y toucher. Bon, vous êtes philosophe, Claude Jacquillart, et vous avez choisi soigneusement un texte dans lequel vous dites que Ramu, philosophe. Je ne sais pas si, par exemple, Georges Aldas est d'accord avec cette vision de Ramu, philosophe. Non, mais juste, il faut que vous lisiez aussi. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette trajectoire-là, c'est qu'il rejoint, à mon avis, la tradition typiquement occidentale, qu'incarne, par exemple, quelqu'un comme Rousseau ou comme Nietzsche, c'est-à-dire la recherche d'un moment perdu. On a parlé tout à l'heure d'unité primordiale, d'unité type platonicien. Alors, on essaie de faire retour à l'élémentaire. Alors, chez Rousseau, c'est une sorte de nature primitive, qui est bonne, mais en termes ambigus. Chez Nietzsche, c'est le retour à une sorte de volonté puissance créatrice où on retrouve la ferveur de l'enfant héraclitéen jouant au sens. Et chez Rousseau, c'est la volonté de retrouver la terre. Avant, Georges Bourgeot parlait de Francis Ponge. Et Francis Ponge disait un jour que quand il y avait une sorte de béance métaphysique, on se raccrochait aux objets. Béance métaphysique. Alors, un trou, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens. On se raccroche aux objets. Et à mon avis, la terre, ce retour à la terre, c'est Ramu dans tout cela. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette recherche de la terre, cette recherche de l'élémentaire, se trouve que la terre ne dit rien. Et c'est pas par hasard qu'au même moment en Allemagne ou un peu plus tard, des gens comme Heidegger vont essayer de faire parler la terre. Car au moment où Rousseau voit que la figuration s'écroule, voit qu'il y a une sorte d'effondrement des grandes idéologies, qu'il y a, pour résumer, en prenant une phrase de Nietzsche, une sorte de mort de Dieu. Vous êtes en train de perdre Ramu de vue tout en non, Allemagne. Mais non, mais justement pas, c'est pas ça le problème. Pour parler de Ramu. Non, mais le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'on veut toujours recouvrir la tension philosophique qu'il y a chez Ramu, et vous dites, on ne parle pas de Ramu. Mais simplement, il faut savoir si, un, il faut pontifier et répéter ce que tous les commentateurs disent depuis 40 ans sur Ramu, ou si on ne peut pas lire ce texte comme on lit, par exemple, Heidegger, c'est-à-dire comme quelque chose qui interpelle sur la question élémentaire, sur quelque chose qui doit nous obliger à se poser des questions. Alors, en quoi, justement, Ramu, à votre génération, parle? Non, parce que simplement, c'est un texte où il se rend compte qu'il n'y a rien. Alors, il ne se réfugie pas dans le religieux, là, dans ce texte, il ne se réfugie pas dans le politique, il essaie de trouver le lieu, le territoire. Mais il se trouve que ce territoire, c'est ne parle pas, ne dit rien. Et cette béance, pour les gens de génération, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'écroulement général, ce qu'on appelle en termes un peu bateaux, une crise civilisation, une crise des valeurs, et que cette crise des valeurs est tellement diffractée qu'on a la quête d'un sens. Et c'est en ça que Ramu, l'interpellateur, il cherche un sens sans le trouver. D'où cette sorte de nihilisme rampant qui traverse l'œuvre de Ramu et qui nous interpelle, nous, en tout cas. Bonjour. C'est si difficile que je me perds un peu dans tout ça. Je suis persuadé que c'est plein de choses excellentes, mais moi, n'est-ce pas, Ramu est pour moi un homme tellement de la réalité. C'est tellement, il a si rarement, au fond, employé un langage difficile. Il a dit des choses essentielles hors de la difficulté, hors du difficile. Si bien que lorsque je vous entends, je lève les bras parce que, non pas par mépris pour vous, au loin de là, c'est pas du tout ça, mais c'est que je sens, pensez bien, mais je suis pas informé de ces choses de cette manière-là. Pour moi, Ramu, c'est expérimental. Oui, je voudrais dire simplement que... Oui, Aldas va dire mieux. Mais pas du tout, pas mieux. Je comprends très très bien, Jacquillart, que vous ayez choisi ce texte,
Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que on ne peut pas isoler ce moment de Ramu. Comme tout grand poète, Ramu est pris par le vertige de l'interrogation. Quel est le sens? Et quiconque se demande quel est le sens de la vie, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que l'homme, est pris d'un vertige, comme Pascal est pris d'un vertige. Alors, il y a un moment où, pris par ce vertige, il se dit, où est-ce que je dois me raccrocher? Où est-ce que je vais? Mais ça, c'est un moment d'interrogation. Et puis, il ne faut pas séparer, comme je disais tout à l'heure, la grande interrogation de ces personnages de sa création. Il y a les moments où il dit l'amour des inconditionnels pour la vie, pour le mystère de la vie. Peut-être que c'est dans cet amour qu'il y a un sens, le rapport des uns avec les autres, la fraternité, si vous voulez, qu'il n'a pas exprimé, mais qui est dans son amour des personnages, ça fait le contrepoint. Il est représentatif de notre condition. Nous sommes tous pris de vertige en nous interrogeant, et en même temps, une solidarité humaine et un amour des uns pour les autres, ou pour le mystère des choses, fait que nous passons à l'autre pôle. Et c'est constamment une oscillation en quoi je trouve qu'il est parfaitement, non seulement moderne, mais de tous les temps. Il représente nos grands mouvements psychiques, notre grande interrogation et notre relation humaine fondamentale. C'est pour ça que vous avez raison, sauf d'isoler ce moment. Puis je ne pense pas que ça ait été sur l'occupation d'être moderne. Mais je n'ai pas dit que c'était non, mais c'est nous qui plaquons sur lui. C'est nous qui essayons nous de lui tirer de Ramu une espèce de leçon qui serait utile sur l'instant. Mais je ne crois pas. Mais je ne crois pas qu'il va chercher ça. C'est que les interrogations que pose Ramu, elles sont quand même situées dans l'histoire. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une éternité de l'interrogation métaphysicienne qu'on retrouve dans chaque génération, mais qu'à un moment donné, ces questions se posent très précisément. Ce que je me demande simplement, à titre de question, c'est pourquoi est-ce que ce thème de la Terre, par exemple, on le retrouve en Allemagne? C'est un problème qui déborde. Comment trouver une finalité? Et cette finalité, il essaie de la pointer dans le territoire, mais il se trouve que le territoire ne signifie plus rien. Mais je ne crois pas que ce soit sa dernière réponse. Puisqu'il a été raisonné par la technique, ce territoire. Mais je ne crois pas que ce soit sa dernière réponse. Si vous lisez la guérison des maladies... Michel, vous allez faire la conclusion de ce débat. Parce que je vois qu'on part dans toutes les directions, mais Ramu est une immense œuvre. Michel Cournot, qu'allez-vous dire? Je suis un peu intimidé, mais je voulais dire simplement que chez Ramu, je crois vraiment que la Terre parle beaucoup et que ce sont les choses muettes qui parlent chez lui. Mais oui, mais tout de même, ce sont les choses muettes, comme plutôt beaucoup plus comme chez Hofmannsthal ou les sages tibétains que chez Heidegger. C'est autre chose. Et elle parle avec beaucoup de timidité et d'humilité. Mais vraiment, on peut, c'est entendu. Enfin, c'est une chose entendue. Je crois que nous arrivons au bout de ce mini-débat, car ce n'était pas un véritable débat. Je crois simplement que nous sommes peut-être arrivés à faire que nos téléspectateurs aient envie de relire Ramu. Parce que pendant des années, l'édition de Ramu a été laissée de côté. Et depuis quelque temps, on réédite Ramu. En particulier à l'occasion du centenaire de sa naissance. Alors, il est sorti tout récemment un certain nombre de livres qui sont tous des livres plutôt bon marché. En particulier Adam et Ève, à l'âge d'homme, le poche suisse comme on dit, et puis la vie de Samuel Bellay, à l'imaginaire, qui est une édition de Gallimard, Si le soleil ne revenait pas, aux éditions Marabout. Là, il y a quelques réserves à faire, cette édition n'est pas tellement bien faite, il y a beaucoup de fautes, mais c'est vraiment un livre bon marché qu'on peut se procurer facilement. Et aux éditions de l'Air, à Lausanne, toute une série de rééditions de Ramu, le journal, le grand printemps, il y a aussi Raison d'être. C'est une très très jolie petite édition que vous voyez là, blanche, et très agréable à lire. Enfin, au livre de poche, à Paris, le dernier livre qui vient de paraître, La grande peur dans la montagne. Voilà. J'espère qu'on a donné ce soir un peu envie aux téléspectateurs de redécouvrir Ramu. Tout est prêt maintenant pour la continuation de cette soirée qui va se prolonger par un film inédit à la télévision, un film tiré d'une œuvre de Ramu.
et Freddy Buach est là pour nous en parler. Je voudrais d'abord vous poser une question. Est-ce qu'il y a une affinité quelconque entre l'œuvre de Ramu et le cinéma? Oui, il y a même plusieurs affinités entre l'œuvre de Ramu et le cinéma. Mais comment dire? Je viens d'écouter tout ce qui vient d'être dit et je voudrais quand même ajouter un mot, non pas me livrer à une critique de la soirée, mais je veux dire qu'il faut replacer Ramu aussi dans son époque. J'ai le sentiment que ce soir, on a une fois de plus taillé la statue, c'est le grand monolithe qu'on met devant l'horizon, on bouche l'horizon. Or, je trouve qu'en Suisse romande, dans la génération de Ramu, il y a au moins deux écrivains. Un plus génial que lui, c'est Charles-Albert Saint-Grillard, et un plus essentiel, c'est Edmond Gillard. Les noms n'ont pas été dits, je voulais les dire. Bon, ça c'est ça. Je viens au cinéma, une véritable provocation. Pas du tout, pas du tout, mais parce que cette célébration, cette récupération de Ramu par l'officialité, il en est responsable. Madame commençait par le dire, je crois. Et lui pouvait peut-être le dire aussi. Mais enfin, parlons du cinéma. Mais on ne va pas faire ça, on ne va pas recommencer la soirée. Non, alors, le cinéma, certes, il a été, comme tous les romanciers de ce siècle, très touché par... le système narratif du cinéma, comme les Américains, par exemple. Tous les romanciers américains ont été très influencés par la manière de raconter les histoires par le moyen de la caméra. Et chez Ramu, c'est extrêmement sensible. Je rappellerai qu'il y a un livre de Ramu qui est écrit selon, justement, ce principe du script ou du scénario, et c'est L'amour du monde, à l'intérieur duquel, d'ailleurs, le cinéma intervient. Mais je pense qu'à part cela... les adaptations de Ramu par le moyen du cinéma ou de la télévision ont fait problème à cause, je crois, du style de Ramu. C'est un style qui n'est pas transposable. Je dis même devant Georges Aldas, qui a participé à ce genre d'adaptation, parce que le lyrisme de l'image au cinéma capte difficilement le lyrisme de la parole, et finalement le cinéma aplati et reprend plutôt l'anecdote et le pittoresque. Alors il y a de tous les films qui ont été faits, je rappelle qu'il y a L'or dans la montagne, qui est tiré de Farinet, il y a eu un certain nombre d'émissions de télévision qui ont été faites par Goretta, Cardinal, Weyerganz, qui a adapté Aline d'une manière assez curieuse, Dizerand. Oui. Bref, et il y a Rapt, qui est donc tiré de La séparation des races. Le film que nous allons voir tout à l'heure. Oui, alors c'est un film singulier, parce que d'abord c'est un film qui est situé tout à fait au début du cinéma sonore, et que par conséquent, l'auteur de ce film s'appelle Kirsanov, c'est un homme d'origine slave, qui a fait du cinéma qu'on pourrait dire impressionniste, et un peu à la russe, avec un montage assez bien articulé, n'a pas axé du tout le récit de La séparation des races sur une adaptation dialoguée. Il n'y a pratiquement pas de texte, pas de dialogue entre les personnages, très très peu, mais il a utilisé le contrepoint musical. Et il a demandé à Honegger et Oehre de préparer une partition, qui est une partition très moderne, en ce sens qu'elle utilise 1933-34, les ondes Martenot, et il y a là comme la préfiguration de ce qu'allaient faire un peu plus tard Eisenstein et Prokofiev, en ce sens que la musique intervient dramatiquement pour marquer soit des situations fortes, soit des silences, et le tout d'ailleurs dans une grande exaltation des lumières, du rocher, des habits des personnages, de la qualité du bois. Et là, je crois qu'on rejoint précisément cette poésie élémentaire de Ramu, qui est la terre, qui est l'élémentaire. Bien, nous allons le voir tout à l'heure. Je voudrais vous rappeler, avant de prendre congé de vous et de remercier nos invités, que la prochaine Voix au chapitre aura lieu le 10 décembre et que notre grand invité sera Armand Lanoux.